Balayer les préjugés et faire tomber les barrières. À L'Argentière, en Ardèche, des collégiens ont créé pendant 3 mois un spectacle de théâtre et de cirque. Des jeunes qui ne se connaissaient pas avant l'aventure. Parmi eux, des jeunes handicapés pris en charge en instituts médico-éducatifs. La représentation a lieu ce soir. Vanessa Fils, Hugo Chaplon. Ok, coulisses. Coulisses. Public. Dernier réglage, dernière répétition pour la troupe. Les adolescents s'appliquent, se dissipent parfois. Ils entament en chœur un récit corporel qui va nous mener dans ce drôle d'univers qu'est celui d'une usine. Vous êtes des machines, hein? Ouais, très bien, Tana. Il y a quelques semaines, les 16 jeunes ne se connaissaient pas. La moitié sont collégiens ici à l'Argentière. Les autres sont pris en charge par l'Institut médico-éducatif, non loin de là. De part et d'autre, il a fallu s'apprivoiser. Et à vrai dire, ça n'a pris que quelques heures. On fait des nouvelles rencontres, on apprend comment ils sont, parce qu'ils sont différents de nous. Ils m'ont surpris. Ils sont plus courageux. Ils n'ont pas peur du ridicule ou de faire quelque chose que nous, on ne pourrait pas faire. Et c'était bien là l'objectif du projet, mené sous la houlette de l'école de cirque ardéchoise, l'art d'en faire. Faire tomber les barrières et laisser la rencontre se faire naturellement. On a un groupe, on s'entraide, ça a été très très vite. Très très vite et de réexpliquer, ils s'expliquent entre eux, si la consigne n'est pas très claire, voilà, ils communiquent, ils s'aident, on est vraiment dans un groupe, on fait moins de... il n'y a pas de différence. Pour Célia, le plus grand souvenir restera celui où elle a pris de la hauteur, en acrobate, en rubanée. Elle en est fière, très fière. Sa plus grande hâte, partager ce moment avec ses proches. Tu as hâte d'être devant tout le monde demain? Oui, j'ai hâte. Pourquoi? Mon père, ma mère et ma soeur reviennent. Nul doute qu'après la représentation, à l'heure de sortir de la piste, les étoiles brilleront encore dans les yeux de tous ces adolescents. Et ensuite, cette chaise, il doit la faire passer. Les filles, allô? Moi, il y en a une qui me donne la chaise, quand même. Ah, donc c'est une des deux? Non, une des deux, en fait. Mais le problème, c'est que quelqu'un nous la passe. Il faut que je la passe passer. Il faut que toi, tu te mettes là. Nous sommes au collège lycée de la Ségalière, où nous participons avec donc l'école de cirque de l'art d'en faire et le projet Théâtre en cours. Au projet Handicirque. Handicirque, c'est des jeunes de l'IME de Béthanie et des collégiens, tous les deux volontaires, participer à un projet commun, celle de la création d'un spectacle qui mêle cirque et théâtre pour le festival de théâtre en cours. Donc depuis janvier, tous les mercredis après-midi, on se retrouve. Et on répète, on essaye différentes techniques des arts du cirque. Donc il y a les équilibres sur objet, il y a la jonglerie, il y a les aériens, il y a l'acrobatie et on a rajouté le théâtre. Donc après 5 séances de découverte, le groupe s'est formé. On a été vraiment en position d'unité. Et on est parti sur la création du spectacle, qui aura lieu donc le 7 avril prochain au Théâtre en cours. Monsieur Truc? Oui, c'est moi. Directeur de l'usine des chaises, et qui plus est la meilleure, soi-disant. Bah oui. Monsieur Chaise? Monsieur Sage. Madame Monk? Monk.